Bonjour à tous, ici Yanami, on se retrouve sur Startopia, où nous avions terminé le royaume des Karmaramas, et nous attaquons le royaume Kasvagorien. Oh, rien que le nom, il fait peur, je vous le dis franchement. Donc ça va être un double objectif, on va essayer de bâtir une belle cité, une belle civilisation, un beau truc. Oh là, déjà on est trois. Ça me plaît pas parce que je suis entre les deux. Ça me plaît vraiment pas. Ah, vous voilà enfin! Vous vous êtes assez bien débrouillé lors de la dernière mission. C'est pourquoi le royaume de Gore souhaite que vous chassiez des squatteurs de l'une des stations situées dans l'espace Gore. Ils vous ont choisi parce que vous n'êtes pas de la race des Gore. Si vous étiez un Gore, vous ne feriez pas long feu. À partir de maintenant, vous devez feindre d'être un squatteur, faire du commerce, étendre et construire vos forces, puis obliger les squatteurs à quitter la station. Ça aussi devrait titiller votre sens de l'humour. Il est rigolo, lui. Allez, vous avez reçu des bâtiments de base. C'est certes peu, mais cela vaut mieux, car sinon vous risqueriez d'éveiller les soupçons des squatteurs. D'accord, donc on a reçu les bâtiments de base. Et ça, c'est un dormateur à manger pas. Ok. Allez, on va commencer par placer notre automatique. Habituel, hein. Il faut 15 000 pour ouvrir les côtés. Ok. Étant donné que j'ai envie de faire une station qui soit pas comme d'habitude, je vous le dis franchement, on va essayer de s'étendre directement sur les deux côtés, en espérant qu'ils me fournissent assez d'énergie. Le monsieur là. On va voir ça, avec combien on commence. C'est la surprise du chef. 100 000, ça va. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est mieux que rien, hein? Ouais. Alors, on va attendre que ça s'ouvre tranquillement. Ouais. J'ai commencé à filmer, il était 20h52 précisément. Oh, je vous fais bouger dans tous les sens. Le voie automatique, il est beau, il sent bon. Oh. Alors. Je veux le dormatoire, s'il vous plaît. Voilà. Pas assez grand. Un dormatoire, s'il vous plaît. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Un beau dormatoire. Qui ira jusque là avec la porte au milieu et les lits de chaque côté. Ah, la porte au milieu, j'ai dit, et des lits de chaque côté. Un navire marchand a été détecté non loin de votre station. Ouais, quand on reclique sur l'élément, ça l'annule là. Alors, on va mettre deux petites lumières aromatiques et un chronomatique. J'ai dit deux lumières. Ah, mais... Ensuite, on a le rechargeomatique pour recharger nos chers amis droïdes. Voilà. Et ça, on le mettra en dernier. Le lavatoire, logiquement, il doit rentrer ici. Voilà. Le mangeatoire, ici. Voilà. Et le sas, ici. Voilà. Hein, moi, ça me semble très bien, comme ça. On va essayer de déborder au maximum. On va essayer de faire du joli, de l'agréable, du sympathique. Oh là là, par contre, ça, c'est moche. Oh là. Ça, c'est très moche. On va rabaisser un petit peu tout ça, là, parce que alors... Hein, j'aime pas quand c'est trop élevé, comme ça, quand c'est pas plat. J'aime pas trop des coins de nature, hein, vous le savez, je pense. Voilà, quoi, quitte à faire un truc, autant essayer de le faire à peu près bien. Un navire marchand a été détecté non loin de votre station. Voilà.
On rabaisse encore un peu. Voilà. Déjà, ça ira mieux. On peut voir que le petit coin de nature, lui, là, est allé vers nous, hein, directement. Alors, ensuite, maintenant, un sas. Et il va nous falloir... Un navire marchand a été détecté non loin de votre station. De nombreux secteurs habitables ne requièrent que peu d'énergie. Ne prenez pas trop de temps, car les squatteurs pourraient s'approprier tout l'espace, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Étendez la station et préparez-la, ainsi que votre personnel, au conflit qui doit se dérouler sous peu. Vous avez bien entendu, conflit est sous peu. Oh là 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 là. Donc toi, t'as plus compétent, on va te prendre directement, vu que t'es le seul employé que j'ai pour l'instant. Donc si j'ai bien compris, on va faire la guerre, quoi. Ah, c'est... Ouais, on va faire la guerre, ouais. Ouf. Difficile de trouver... moins compétent. Un navire marchand a été détecté non loin de votre station. Ça, je l'ai entendu, merci, mais... Ah, lui, il me le faut. Et du coup, ben non, toi non. Non, non. Bon, il nous faudrait... Notre bon vieil Arona a été vu dans le secteur et il traite avec les squatteurs. Il ne fait aucun doute qu'il s'adressera à vous très prochainement pour vous proposer des marchandises et du matériel de qualité. De qualité, voilà. Je sais pas si on a la même notion de qualité, Arona et moi. Bon, déjà, ici, là, on peut être sûr que ça va être la guerre. Toi, t'es compétent. Toi, t'es très compétent. Je fais quelques embauches. Un navire marchand a été détecté non loin de votre station. Pour l'instant, on peut pas dire que j'offre le grand luxe, hein. Je commence par faire quelques embauches parce que j'aurai besoin de téléphonatoires, j'aurai besoin de sirènes, j'aurai besoin d'énormément de choses. Mais d'abord, il me faudrait. Première chose qu'il me faut, c'est un laboratoire de recherche. En toute franchise, si j'ai le laboratoire de recherche, je peux directement me débrouiller pour arriver à développer le plus vite possible toutes les technologies d'armement, les miradors, etc., etc. Parce que je pense que c'est ça qu'il va me falloir. Hein. Bon, Arona, où es-tu? Parce que moi, j'ai plus rien à faire là. Ah si, je peux faire un sénateur, tu me diras. Je me présente à Ronadal, enchanté de vous... Une minute... On se connaît, non? Oh, vous êtes en mission d'infiltration. Bien, bien, êtes-vous toujours intéressé par mes produits? Alors, non, 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 SAS non, GG pneumatique, non... Sénateur, donc j'ai vu que je l'avais. Le quai spatial, ça serait bien que je le prenne, mais là, il est trop cher. On va prendre un jubilatoire et un laboratoire et la boutique ASIC parce qu'elle est pas très chère, ainsi que le téléphonatoire. Je pense que je vais prendre, ouais, je prends le téléphonatoire, ouais. Bon, j'ai pas des grilles, un petit peu, quelques grilles compétents là qui seraient pas arrivées, non? Si on doit se préparer à un conflit, autant faire mieux, quoi. Alors le sonateur, on va le mettre ici, c'est purement stratégique. On va le faire un petit peu différemment de d'habitude. Il est uniquement sur 3, vous avez bien vu. Un navire marchand a été détecté non loin de votre station. Alors, on va mettre une porte ici, le diagnostic automatique ici et ici, les chaises d'attente. Pour l'instant, et des automatiques. Voilà. Waouh, une brute épaisse, on en a besoin de lui. Ensuite, il nous faut un laboratoire de recherche. Ici sera le côté, je dirais, le moins ça. Il nous faut un petit laboratoire de recherche.
vous aussi, tu vas pas être très grand. Avec une porte, un vision automatique. Ah bah oui. Un vision automatique et un ou deux plans de travail juste. Voilà. Pas compétent. Hop là, j'ai changé ma souris aussi. Hein. On va tous les embaucher là, parce que sinon ça va très vite sentir mauvais pour nous. Je vous le dis, clairement. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, il va essayer de soigner des gens lui. Je vais soigner mon personnel. Ah bon. Bon, au niveau du deuxième étage. Le jubilatoire. Comme d'hab. Ah. Avec la porte, les chaises sensuelles. Hop, raté. Un navire marchand a été détecté non loin de votre station. Quelques petits sofas pour attendre. Un carré de pot de fleurs. Ah, on est dans le luxe ici. Voilà. C'est moi, Aruna. Que diriez-vous de marchandises et de matériel? Vous pouvez prétendre que ce n'est pas moi qui vous les ai vendus, si vous voulez. Coupure de courant dans une pièce. Ah mince, j'ai plus de jus. Oh, j'ai plus de jus. j'ai pas acheté un jet automatique justement. Non. Y a plus de jus. On va faire mettre une petite boutique également. Ça me coûte rien. Aïe. Déjà je commence dans le déficit. Au troisième étage, il faut qu'on pousse. Waouh, ah oui. Alors comment je fais pour retourner à la souris de base? Voilà. Un navire marchand a été détecté non loin de votre station. Bon, quand ils veulent là les récoltes. Voilà. Un navire marchand a été détecté non loin de votre station. En fait, j'en veux pas trop, hein. Je veux juste de quoi lancer des recherches. Un petit téléphone à toi, on va le mettre de ce côté là également. Il rentre pas à la plage. Ok. Eux là ils vont m'attaquer dans pas longtemps, je le sens. Je sens que eux ils vont m'attaquer. Coupure de courant dans une pièce. Oui, c'est pas grave. Tant qu'on a le cœur ici qui est alimenté. Ça, c'est une coupure de courant aussi. Coupure de courant. On a plus de jus! Ah là, je suis mal en point, là, du coup. De ce fait, je suis mal en point. Bonjour, vous qui m'êtes étranger. Vous voulez m'acheter quelque chose? Même si on ne se connaît pas, cela va de soi. Ça pourrait pas récolter là, ici, là, un petit peu.
Regardez-moi ça ici, là on est chez les bleus, voyez. On a acheté tout d'entrée de jeu. Ici il y a nous, et là on est chez le jaune. Voyez, le monde qu'il a déjà par rapport à nous. Ouais, je sais, ouais. Un navire marchand a été détecté non loin de votre station. Ah, oh, il me saoule avec ce navire marchand, lui. Bon, on va éviter que les caisses se perdent. On va... Allez! Ah. Un navire marchand a été détecté non loin de votre station. Bien sûr, ça me fait de la contrebande, tout ce dont j'ai pas besoin. Bon, est-ce qu'il y a un gris compétent? Non. Et au niveau des employés, tout se passe bien? Oui. Oh bah on attend hein. On attend d'avoir des sous. Ah mais le sas non plus il est plus alimenté, mince. Voilà, on alimente le sas de ce fait en débranchant le labo de recherche. Un navire marchand a été détecté non loin de votre station. Parce que sinon, ça le fera pas. Votre alimentation en est coupure de courant dans une pièce. Bon, je m'en moque du deuxième étage. Tant que le sas est alimenté et tant que le laboratoire de recherche est également alimenté, c'est tout ce qu'il me faut. Ah mais toi je passe pas à côté de toi. Hein. Coupure de courant dans une pièce. Oui c'est pas grave que la boutique ordi plante. Ouais ouais ce sont nos seuls revenus ici. Là, 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 c'est de pire en pire. Hein. Bonjour, vous qui m'êtes étranger. Vous voulez m'acheter quelque chose? Même si on ne se connaît pas, cela va de soi. Nous sommes en déficit, en grave déficit. Il faut que j'arrête d'embaucher. Même s'il y a des très compétents qui viennent de monter à bord et ça m'embête. Coupure de courant dans une pièce. Il vous faut des skeuzers de sécurité pour ouvrir les portes qui vous séparent de votre adversaire. Ceux-ci peuvent désactiver le mécanisme de fermeture des portes. Le niveau de votre contrôlatoire détermine le temps qu'il faut aux skeuzers de sécurité pour ouvrir les portes. Plus le personnel en charge du contrôlatoire est expérimenté, et plus vos skeuzers décodent et ouvrent les portes rapidement. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, laboratoire de recherche fonctionne. Ici, là, ils ont pas de... ils ont de l'électricité où? Ouais. Ici, ils ont un petit peu d'électricité. Un navire marchand a été détecté non loin de votre station. Bon, j'arrive à 7000 électricité, je pense que là maintenant c'est bon, non? Votre aliment coupure de courant dans une pièce. D'accord. Un navire marchand a été détecté non loin de votre station. Bon, pour l'instant, ça se passe bien.
Enfin, bien, façon de parler, parce que le automatique, là, en fait, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait suffisamment gaffe, on va dire. Voilà, lui, il va générer des revenus. Il va générer des revenus, tant mieux, parce qu'alors... Un navire marchand a été détecté non loin de votre station. Bon, Arona, là, y'a rien à vendre ici. Mince, où c'est qu'il les montre? Ah, à chaque fois, je me perds. Voilà. Ils vont au petit coin de nature, les gens. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'ils y font, hein, mais... Il nous faut du blé, du flouze, des pépettes. Hop là, un petit peu plus de jungle ici, ça ira mieux, voilà. Avant toute chose, vous devez avoir une force de sécurité suffisante à votre service. Moi qui suis très au fait de ce genre de choses, je vous recommande d'avoir au moins 10 guerriers casvagoriens, plus un nombre égal de races prêtes au combat, telles que les targues, les gris et les pourceaux grouliens. C'est moi, Arona. Que diriez-vous de marchandises et de matériel? Vous pouvez prétendre que ce n'est pas moi qui vous les ai vendus, si vous voulez. Voilà. Déjà, on a 13 000, ça ira quand même beaucoup mieux. Ah, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous, mais ça ira quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ici, là, je sais que nous avons des gris compétents. Dans nos visiteurs. Notamment lui, là, je le veux. C'est où ? Ah, zut, il vient de s'endormir, ce studio. C'est ça, Nabola. Bon, il faut retenir leur nom et tout, hein, au mec, hein, sans déconner, hein. Vous êtes très bien, mon pote, mais il y a du monde qui a nécessitaire à l'infirmerie, là. Et il nous faut des casvagoriens, des pourceaux, des gris, des targues. Embaucher, c'est pas compétent, mais embaucher. Bon, moi c'est ici que j'ai peur en fait. Et lui, là, qui... Un navire marchand a été détecté non loin de votre station. Continue à bafouiller. Oh là là. Bon, bon, bon. Bah écoutez, ça progresse. Hein. L'un de vos employés casvagoriens a démissionné et quitté la station. Les casvagoriens, sans déconner. Un navire marchand a été détecté non loin de votre station. Commence à me prendre la tête, les casvagoriens. Votre alimentation en énergie est insuffisante. Vous devriez construire plus de GG nomatiques. Oui, ben, hein. Merci, je sais. J'en suis parfaitement informé. Je ne veux pas vous fâcher en vous disant cela, mais il serait tout de même avisé de construire des bâtiments sanitaires en vue du chaos à venir. Oui, ben, hein, mon ami. Pour l'instant, je me bats contre la dette fiscale. D'accord, je sais très bien que eux, là, ils vont bientôt attaquer. J'ai un scuser de sécurité qui se planque quelque part.
étrangers. Vous voulez m'acheter quelque chose? Même si on ne se connaît pas, cela va de soi. Ah zut, il est parti, quand je clique droit, ça part. Alors que justement, j'avais des trucs à lui vendre. Bon, je peux pas laisser ces caisses là, hein. Voilà. Eh, vous êtes super lent, les gars. Un navire marchand a été détecté non loin de votre station. Oui, le truc du navire marchand, il va me le dire sans arrêt tant que j'aurai pas construit un port. Hein. Je m'en excuse, hein, mais c'est pas voulu. Ah. Un navire marchand a été détecté non loin de votre station. Il faut que je fasse un usinatoire. J'ai besoin d'un usinatoire, mais le problème c'est que ça coûte tellement cher un usinatoire. Allez, ça coûte 6000. Si je fais ça, je vais encore avoir des problèmes d'électricité dans tous les sens. Sans déconner quoi. Et ça fait déjà 30 minutes qu'on y est. On n'a absolument rien fait. Je crois que c'est le pire commencement de partie que j'ai jamais eu. On n'a rien fait. On a d'accord avec moi, on n'a rien branlé, hein. Ah oui, non, là, du grand art, là. J'ai besoin de ce que ça a de sécurité, je peux pas le lancer dans la recherche. Je l'ai lancé dans la recherche, tant pis. Un navire marchand a été détecté non loin de votre station. J'ai impérativement besoin du contrôlatoire et de tout ça. On va aller caser quelques poubelles en haut parce que je sais que c'est le bordel. Voilà. Comme ça, ils n'auront plus d'excuses. C'est moi, Aruna. Que diriez-vous de marchandises et de matériel? Vous pouvez prétendre que ce n'est pas moi qui vous les ai vendues, si vous voulez. Bien. Je crois que nous avons suffisamment d'argent pour arriver à faire notre première usine. Une belle usinatoire. Alors où est-ce qu'on va la faire? Ouais, ici. Les pourceaux, sérieusement, j'en ai rien à faire qu'ils soient compétents ou pas. Alors là, vous allez me voir embaucher, mais juste à là, quoi. Bon, vous me direz s'ils sont compétents, hein. Oula. Bon, oula, qu'est-ce que je fais là, moi? Ah, trop fort, je peux cliquer comme ça, j'avais pas vu, je savais pas. Votre alimentation en énergie est insuffisante. Vous devriez construire plus de GGN. Coupure de courant dans une pièce. Et le sas qui a coupé comme d'habitude.
Voilà. Ouais, ça c'est clair, dès que je vais faire trois trucs, quoi, je me retrouve mais embêté au possible. Alors que là, j'aimerais bien lancer un ou deux scuzzers de sécurité, mais j'ai pas les sous. Et le problème, c'est qu'il faut impérativement que je garde ça inactivé, de préférence. Parce que sinon, ils sont pas contents. Votre alimentation en énergie est insuffisante. Vous devriez construire plus de gégettes. Coupure de courant dans une pièce. Dès que je peux, je leur fous un GG pneumatique en bas, là. Votre alimentation en énergie est insuffisante. Vous devriez... Coupure de courant dans une pièce. Aïe, 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 aïe. Il n'y a pas de jus, il n'y a pas de courant. Votre alimentation en énergie est insuffisante. Vous devriez construire plus de GG pneumatique. Oui, bah écoute, hein. Bon, Arona va pas tarder à venir. On va les récolter en haut, là. Voilà, voilà. Des produits de luxe. Un navire marchand a été détecté non loin de votre station. Le seul navire marchand que j'attends, moi, c'est celui d'Arona. D'accord ? Le reste, ça m'est complètement égal. Bon, il a pas redémarré, lui. Votre alimentation en énergie est insuffisante. Vous devriez construire plus de GG pneumatiques. Le voilà. Bonjour, vous qui m'êtes étranger. Vous voulez m'acheter quelque chose? Même si on ne se connaît pas, cela va de soi. 20 000 énergie, on remonte. Parce qu'alors... On a du mal, hein. Moi je vous le dis, on a vraiment beaucoup de mal là. Alors, l'épisode sera un petit peu plus long que prévu, mais bon. Sans compter qu'il faudrait que j'embauche, mais je peux pas embaucher à ce prix là. Et lui là qui va pas tarder à m'arriver sur la figure. Je le sens gros comme un camion. Pas vous. Au niveau des employés. Donc là j'en ai que 3. Tac, 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 tac. C'est cool. 7500. Pardon. Non, mais là, là, c'est juste la mort, là. Tu me dirais, s'ils font péter ici, ils pètent juste le dormatoire. Hein. Rien de très très grave au final. Ouais, ouais, rien de grave, ouais. Ouais, bon. Je galère quand même pas mal là. Je sais pas si vous voyez, mais je galère vraiment bien. Hein. Il y en a quelques-uns quand même. Si je prends lui, je me retrouve en faillite. Ah non, juste, hein, à mon avis, je suis à la limite. Je dois vraiment être à la limite, limite. Mais bon, maintenant, j'ai de quoi alimenter mon usinatoire. Eh ben écoutez, la suite, les gens, ça sera au prochain épisode, hein. Voilà, c'est tout, hein. Eh ben oui. Je vais vous laisser là, mais... Oh, sans déconner, quoi. Il me faudra absolument faire le plan d'un contrôlatoire pour la prochaine fois. Pour pouvoir rechercher et développer les miradors qu'on mettra sur les côtés, là, notamment ici. Parce que je sens que ça va roxer sévère. Hein. Un navire marchand a été détecté non loin de votre station. Je sens que ça va roxer sévère, moi. Je sais pas vous, mais... Ouais. Ouais, ouais, ouais. On va voir si on essaie d'ouvrir. Non, ils veulent pas. Ouais, ouais, ouais. Ça va roxer sévère tout ça.
Bon, ben les amis, je vous dis à très bientôt sur le prochain épisode de Startopia. N'hésitez pas à laisser des pouces verts, des commentaires, des pouces pas verts, ce que vous voulez en dessous de la vidéo. Et pour ma part, ben, je vous dis donc à la semaine prochaine. Allez, salut à tous, portez-vous bien. Ciao, ciao!